C'est blanc. C'est dur, ouais. C'est dur. Très, c'est dur. Oh non, commencez pas à vous plaindre maintenant. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Oh non, oh non. Ah si, 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 là, je vous promets. Là, tout à l'heure, vous risquez de vous plaindre. Alors, pas trop mince. N'oubliez pas que le but, c'est d'avoir la forme du... Où est-ce qu'il est ton prénom? Là, ça va. Oh, t'as pas reçu. Attends, je vais te chercher. Pourquoi tu te mets là? Fais-lui ici au milieu. Je ne veux pas faire des sourcils. Enfin, genre, les yeux, les yeux courts. Excuse-moi. Pas trop petit. Tu vois, là, ton trait. Je ne l'adore pas, on ne verra rien du tout. Tu vois, ton trait, il doit être plus fin et fondu. Si c'est trop petit, si ça ne ressort pas, ça ne s'enfonce pas. Alors, laissez aller votre imagination. Ouais, regardez pas à gauche, à droite. Pas trop près du bord. Pas trop près du bord. On peut utiliser ses doigts, n'hésitez pas, hein, pas rien que le crayon, hein, on peut faire des plus grands nez, des plus grands yeux. C'est là. Imaginez. Il faut que ton nez doit ressortir ou doit rentrer. Hein. Il faut que tu prends un morceau ici et que le remets. Tu fais là aussi. Un bol. Et puis simplement on va mettre le plâtre. Alors souvent on dit qu'il faut, pour préparer le plâtre, qu'on a besoin d'un volume d'eau et d'un volume de plâtre. Alors moi je vais le préparer comme le sculpteur le fait à l'œil. L'idée c'est, quand on regarde à l'intérieur du pot, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une couleur, c'est transparent, effectivement. Ok. Peut-être que les deux dernières, si vous ne voyez pas, levez-vous aussi, comme ça. Donc, je vais mettre le plâtre. Alors, ça fume pas, c'est plutôt comme c'est tellement léger, tellement volatil, c'est un peu comme si c'était de la poussière, plutôt, hein, parce que ça fume pas. Moi, je vois pas de flamme. Hein. Et donc, le plâtre est absorbé par l'eau. Et je dois en mettre jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus et que l'eau ne puisse plus l'absorber. Ça absorbe, mais trop de sucre, Alors là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Pas du sucre. C'est pas du sucre. Alors, tout ce qu'on utilise comme matière, c'est surtout pas à mettre en bouche. Non, mais on a des problèmes. Ah, avec le plâtre, on a des grands problèmes. Parce que le plâtre, même dans l'eau, à un moment donné, il va se durcir. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on le boit, à un moment donné, dans un des éléments de notre corps, il va durcir. Et donc, il va bloquer.
Du cerclage de métal. C'est plutôt cette version-là. Et puis, on va déposer du sable tout autour. C'est pas grave s'il y en a sur le plâtre. On en dispose un petit peu. Et puis, on va appuyer. Au départ, il faut tenir la forme de plâtre. Parce que sinon, elle va bouger. Et c'est important qu'elle soit mise au milieu. Parce que sinon, on n'arrivera pas si ça compte. On n'arrivera pas à faire correctement son moule. Et puis, ce n'est pas juste comme ça. C'est vraiment presser, presser, presser le plus fortement possible. On va partager à deux. Alors, on va travailler à deux. Non, je crois que vous avez un pot pour chacun. Et au fur et à mesure, il faut continuer à monter. Donc, chut. J'explique, tu ne vas rien faire maintenant. Donc, on continue. Alors, pour avoir plus de force, vous allez travailler debout. Ça veut dire que vos tabourets, vous allez les glisser. Là, tu en mets. C'est rentré. Attends, Michael, il faut... Là, elle appuie pas assez. Alors, vous mettez plus grand, comme ça, ça bouge un peu. Appuie ici avec ton doigt. Tu sens la différence? Donc c'est comme ça qu'il faut appuyer partout. Quand tu appuies, on dirait que la pâte à mouiller. Bien le milieu, c'est pas ce que tu appuies bien et après tu auras. Ça va, maintenant tu appuies. Maintenant tu arrêtes d'en mettre et tu appuies bien sur le... Tu n'as pas encore appuyé depuis le début? Je ne sais pas. Tiens ta pièce. Attends, stop. Tu sens la différence? C'est comme ça qu'il faut appuyer. Mais c'est dur quand je l'ai dans ça. Il ne sera pas fait. Mais j'ai perdu de l'énergie. Bah, tu peux aller en force, tu peux aussi. Non, tu peux aussi. J'ai plus. Bon, on va devoir changer.
qu'on a ça qu'on... Je jette tout après. Quoi? Je jette tout après. Non, je jette un petit peu plus de l'intérieur. Parce que la dernière fois, on avait eu ça quand c'était. Je vois qu'on recycle trop aussi. Je ne sais pas pourquoi. Quand on en prend tout, il y a un peu. Non, le métal, c'est comme ça. Mais les trucs en métal.